Salut tout le monde. Salut Nadia. Salut. Bon alors. Ah, oui, alors du coup, on est arrivé. Ouais, on est arrivé en Norvège. Voilà, depuis... Bon, ça fait 2 jours. Oui. 2 jours qu'on n'a pas bougé, on est là. On est pas mal. On a vu encore personne, pratiquement. Au bord d'un lac. Il y a quelques maisons. Ouais. Et là, je fais la vaisselle. Dehors, tranquille. Parce que, bah, il faut, hein, des fois, il y en a beaucoup là. Ça s'entasse. J'ai fait la vaisselle. On a fait les lessives. Venez voir, je vais vous montrer comment on fait les lessives. Allez, venez les copains, je vous montre. Parce qu'en Norvège, eh ben, en fait, il n'existe pas de laverie automatique, ni en Suède. Et ça, ça nous pénalise beaucoup. Hein. En France, on en trouve, en Allemagne, on en trouve. Voilà, mais ici, non. Ouais, c'est des pressings ici. C'est des pressings. Ou alors, il faut aller dans les campings. Quoi. Alors, on va faire de temps en temps des campings, mais pas tout le temps. Donc, système D, la solution, c'est le lavage à la main. Comme en 1851, c'était la première machine à laver en 1851. Et ben là, je peux vous dire que j'en ai bavé. Voilà, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus là, mais j'ai fait 2 machines quand même. Mais c'est super physique en fait. Hein. À 4 pattes ici, enfin à 4 pattes. Avec ma petite planche comme autrefois. Là, j'étais sur la pierre là et je frottais le linge. Comme autrefois, quoi. Puis après, faut le rincer avec peu d'eau parce qu'il faut économiser l'eau. Eh, mais bon, eh, j'ai du muscle, là. Je suis contente. Bon, on va rester là encore aujourd'hui, on est dimanche. Et demain, on va rebouger. On va continuer à monter. Bon, puis on va aller faire 1 ou 2 visites. Bah oui. Pendant ce temps, il faut qu'on découvre aussi la Norvège. Et du coup, on est passé en... C'est plus la couronne, c'est ça? Si, c'est la couronne, mais norvégienne? Non, danoise. Non, on est en Norvège. Ah oui, Norvège. On suit plus. Salut, nous, c'est Tof et Nadia. Un jour, on a décidé de tout quitter pour découvrir l'Europe. À bord de Charlie, notre Hummer B544 de 89. Nous avons embarqué avec nous notre chat Cacahuète dans cette folle aventure. Nous écrivons désormais l'histoire de nos rêves. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez la petite cloche, un petit commentaire et bonne vidéo. Salut tout le monde. Coucou les amis. Bon, ce matin, on va où? On va... Ah. Alors là... C'est pas facile les noms. Alors les noms, c'est vraiment pas facile. Hein. Nous allons. Attendez, je vais vous dire ça. Et alors, je sais pas si je vais pas l'écorcher, quoi. Faut que je trouve. C'est bordel dans ton truc. Mais non. Friedrastad. Peut-être. Comment tu dirais ça? Bah, plus rapide. Friedrastad. Mais dis donc. Donc on y va en vélo. On a 7 km aller, 7 km retour. Ouais. Pour l'instant il fait beau. Et puis on est bien, on est en face de la mer. On n'est pas bien là. Et puis normalement il va pleuvoir tantôt. Donc on se dépêche d'y aller. Mais on n'a pas peur de la pluie, chérie. Non. Ah. Allez, on est parti. Come back.
Oui. Comment se passe cette aventure? J'ai fait beaucoup de vélo. Hein. T'as fait beaucoup de vélo, comment ça? Et puis moi aussi j'ai fait beaucoup de vélo. Hein. Petite recherche. Elle nous a emmené à Friedrichstadt. C'est ça? Oui. Oui, mais bon, au centre de Friedrichstadt. Ah, et ben. Et les trucs qui sont habités, bah, ils étaient pas loin de nous. Du bon côté de l'eau. Ah, et donc du coup, tu es en train de nous dire qu'on a fait des kilomètres pour rien. Bah, pour l'instant, hein? on sera arrivé où on doit aller. On aura fait 10 km en plus. Ah, non, ça va aller. Oui, mais tu m'aideras un petit peu plus pour les recherches. Hein? Parce que je ne serai pas là. Hein? Chacun son boulot. Parce qu'au bout d'un moment, je lui dis, attends, il va voir que je lise. Il y a écrit, la vieille ville, elle est accessible qu'en ferry. Oups, on est en vélo. Oui, il y a un petit mot là, quand ferry. Ah ouais, c'est vrai. Donc on va voir. Bon, oh, ça va aller. Il y en a partout, des petits bacs. Eh ben, mais ici, il y a du soleil. Oui, on va aller voir. Il fait beau. What's the price? Yes. How much do you have? No, I'm just kidding. They are free. Huh? Yep. Okay. All ferries in this town are free. Okay. Well, thank you. You're welcome. Thank you. Voilà. C'est notre premier bac. Oui. Et c'est gratuit. On croyait que c'était payant. Bah ouais. C'est gratuit. Tu l'as dit, tous les bacs sont gratuits. Ouais. C'est cool? Oui, c'est cool. Non, on savait pas déjà. Donc on s'est tapé le pont pour rien. Bah ouais, de toute manière, comme je me suis trompée, on aurait pris quand même le pont. Hein? Allez, adios. Alors c'est ce pont-là qu'on a monté tout à l'heure. Ouais, mais t'es un sportif toi. Ça fait bizarre, hein. Et là, on va aller à la vieille ville, de l'autre côté, là. Donc ça, c'est le bac qu'on a pris. On a juste traversé l'eau, là. On a juste traversé l'eau là. Oui. Mais c'est cool en fait. Hein. Le mec qui fait que ça. Oui. Je sais pas si c'est dans toutes les villes où les bacs sont gratuits. Ouais, va falloir qu'on se renseigne. I found somebody, I say you don't cross my mind. She doesn't know that your favorite place is. Bon, on a trouvé la vieille ville. Et voilà, tu vois qu'on y est, enfin. Et c'est un bâtiment qui date de 1776. La vieille ville,
a été construite en 1567. Elle est une ville fortifiée avec ses anciens édifices et ses rues pavées. C'est joli, hein. Oui, c'est joli. C'est le roi Frédéric II qui fait construire cette forteresse à l'embouchure du fleuve Goma. Elle est encore en étoile, celle-là, comme à Copenhague. Je sais pas du tout. Si, elle est en étoile. Ah bon. C'est le roi Frédéric II qui fait construire un espace à l'embouchure du fleuve Goma. Il y avait une industrie de bois et navale prospère. Bon, pareil que t'as faim ? Oui, et il y en a marché là quand même. Hein. Mmh. On a bien fait ces 10 km. Hein. On va visiter la galerie avant. Bah, comme tu veux. Comme tu veux. On est à côté. I don't always think about you, but sometimes I do, cause sometimes I try. 1000 fois pardonné quand même quand tu vois ça. Ouais, ça va. Ça va, hein. les quelques kilomètres en plus. Les quelques 10. 10 kilomètres quand même, hein, pour arriver là. Alors qu'on a 2 km du camping-car. Ah, c'est vrai? Non! Ah, mais j'ai besoin de perfectionner les recherches! Oh, t'as de la chance que c'est joli! Hein. Ouais, c'est joli! Alors, tu prends tes infos? Faut pas tout dire, quand même! Il y a des secrets qui ne se disent pas! Mais top! Enfin! Chercher les infos. Non mais top. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des oies là-bas. Sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. Always think about you till First Avenue. That's when I do. Voici la caserne d'infanterie. Le bâtiment aurait été construit selon l'architecture de calendrier. Elle contient 12 cheminées, 4 floys, 7 coins extérieurs et 24 carreaux aux fenêtres. Déjà en construction, les remparts de la forteresse abritaient 1000 soldats. Tu vois, elle est bien en étoile. Oui, oui, elle est bien en étoile, en effet. Là, hop là, on y voit là. Ouais, puis... Et si t'es pas sage, je te mets là. Ouais, mais fait déjà que t'arrives à... À quoi? À me forcer à mettre ma tête là-dedans. Les bras là-dedans, la tête là-dedans. C'est la tête là. Allez, viens, moi j'ai faim. Je suis en hippo, on y va au restaurant. Ah, Frédéric II, c'est lui. On viendra après. Frédéric II, c'est lui. Oui. Bah, en anglais, hein. Bon, et ici, ils parlent tous anglais. Moi, les gens nous ont dit qu'en Norvège, on parlait pas anglais. Bah, si, hein, moi, on n'a aucun souci. Bah, ils causent tous anglais. Oui. Bah, oui, dans toutes les boutiques, tous les restaurants, ils causent anglais. Hein. C'est rigolo parce qu'il faut aller se servir. Oui, oui, ça fait drôle, ça.
Partout, hein, en fait, partout. Il faut aller servir. Et le serveur, il vient pas à la table. Et tu repars avec ta boisson, au moins. T'as pas besoin d'aller chercher ton plat. Là, tu ramènes ta... C'est ce que tu viens de dire? Tu ramènes ta boisson? Oui. Oui, c'est ça. Il t'amène ton plat, quand même? Oui, bah oui. Non, je sais pas, parce qu'il ne voulait rien faire, tu dis. Mais oui, c'est vrai, ça fait drôle. C'est presque... Parfois, ils débarrassent les gens. Mmh. C'est drôle. Bon, ouais, allez, au kilomètre. Alors, tu manges quoi? Fish and chips. Ah, moi aussi. Bah, ça a l'air joli. Ça sent bon, déjà. Ouais, ça c'est bon. Bon appétit. Allez, on mange avant que la pluie arrive. Bon, Nadia, ça va mieux? Alors, oui, je me sens mieux. Oui, et oui, j'étais en hypoglycémie tout à l'heure. Ça n'allait pas. D'ailleurs, ça se voyait parce que j'étais comme ça. Maintenant, ça va mieux. Bon, on va continuer la visite. C'est pas un cirque. C'est pas un cirque. Et ben voilà. On a la réponse. Petite pause? Ouais. Petite pause. Hey. Avec une belle vue. Hey, on a plus 20 ans, hein. Je crois. Il me semble. Il y avait à l'époque trois portes du ferry. Trois portes côté mer et une seule côté terre qui montrait l'importance du transport maritime. Alors Toff, cette balade, c'était comment? C'est fatigant. Oh, tout de suite. Ah, on a fait quand même 14 km en vélo. Ouais. Au lieu de... Au lieu de 8. Oh, ça va, à peine 8. Ça va. Une petite erreur de rien du tout. Ah. Et attends, la prochaine fois tu m'aideras. Hein. Ah. Bon. Ça va que c'était joli. Hein. C'est vrai. Heureusement. C'était pour que tu apprécies encore plus après. Oui. Oui, c'est très joli. C'est quoi le nom? Ah, attends. On va vous l'écrire. Juste là. Hop là. Ça sera plus facile. Parce que c'est pas... Friedrichstad. Je sais pas, tu dirais comment, toi? Aïe. Il le lui. Ah oui, il dit. Ah, je l'ai eu. Ils aiment bien te piquer, hein. Il y a beaucoup de moustiques ici. Oui. Normal, hein, on est à côté de cours d'eau ou de la mer. Là, c'est la mer. Donc voilà, ça se dit comment là, hein? Frédéric Stack. Non, il n'y a pas écrit Frédéric. Hein. Frédéric Stad. Ouais, ce sera plus simple si on l'écrit. Voilà. Donc si ça vous a plu, bon, c'est un petit pouce. 2, 3, 4 pour Toff, parce qu'il a fait quelques kilomètres de plus. Et puis, enfin, on vous remercie de nous suivre. Pensez à vous abonner, hein, parce que là, ça monte. Ouais, hein. C'est génial. Bon, on vous dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.
Il est mort. Salut, salut. Allez, salut.